Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo de nourriture. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Et donc voilà, je vais juste vous montrer qu'est-ce que je mange régulièrement. Et vous voyez, pas de grands changements par rapport à d'habitude. C'est à peu près toujours le même type de repas à base de fruits ou alors de féculents. Méga simple, méga bon. Et par rapport au sport, bah en fait, ça change rien. Que je fasse plus ou moins de sport, ça change absolument pas le type d'aliment que je mange. Donc c'est toujours à base de fruits ou alors de féculents. Et mon poids, il varie très peu. Alors quand je compare des photos de moi d'il y a très longtemps, quand j'étais omnivore, où je marchais régulièrement, j'étais quand même active, j'étais pas complètement sédentaire, bah en fait, j'avais du poids en plus. C'est juste à cause de l'alimentation que je mangeais, à cause des graisses, à cause des hormones que je mangeais. Et puis maintenant, quand je mange une alimentation à base de plantes sans hormones animales, riche en glucides pauvres en graisse, ben du coup j'ai une silhouette plus fine sans me priver, je me sens mieux dans ma peau, j'ai plein d'énergie et je suis heureuse de la vie quoi. Bon, avant non plus je me privais pas, je mangeais de manière normale que je croyais équilibrée. Enfin bref, j'ai assez parlé, maintenant on va passer aux images des repas. She saw I had my pineapple and she was like, oh, can I have some? Hello. I can't eat them. Hello. Oh, Bukiti. So tiny. Yeah. And you have a dog? Oh, you enjoy it. You like my salt. Salty bitch, eh? Yeah. Oh my goodness. Ça, c'est des longanes. C'est un peu comme du litchi, mais pas pareil. Là, je suis en train de faire tremper des haricots rouges. C'est pour ce soir et on va se les partager. Oups. We have 36 of these trees. She keeps us stocked up. You, what do you want? Coffee? Well, yeah, just coffee. And just coffee, and I'm happy. Alors là, j'ai une papaye à maturité parfaite. Alors ce côté-là, c'est quand je viens de la couper, ça ressemble à ça. Il y a des petits grains marrons dedans, mais je les mange pas parce qu'ils ont un goût poivré très fort. Et quand ça a un sale goût amer, c'est que c'est toxique à une certaine dose
Et moi, j'y touche pas à ces trucs-là. Je me force pas à goûter un truc qui a sale goût. Et de ce côté-là, bah, j'ai enlevé les grains et j'ai rajouté l'intérieur du fruit de la passion. Voilà, tout ça, c'est des fruits de la passion. Et j'ai mis aussi un petit citron là-dedans. En fait, c'est bon, c'est comme un assaisonnement. Hein. Voilà, j'assaisonne mes papayes avec du fruit de la passion et du citron. Salade de fruits et de légumes. Ça, c'est la sauce au tamarin. Et ça, c'est mon jus de betterave, carotte et ananas. Pad thaï. Alors ça, c'est une brioche de riz avec des légumes, du soja, des champignons. J'en ai pris deux et je vais manger ça devant un film. Chocolat caramel, mangue, banane, passion. Et Paul, il a un rouleau à la cannelle avec son café, dont il y a beaucoup de mal à se passer. I know, it's okay. Donc là, pour changer, j'ai des nouilles de riz. Il y a aussi beaucoup de potirons en dessous. On dirait que les nouilles de riz prennent toute la place, mais en fait, il y a beaucoup de potirons en dessous aussi. Là, on a des herbes fraîches. Donc, ciboulette et coriandre. Les fleurs, c'est pour faire joli. C'était pour mettre sur les fruits avant et faire une photo. Et mon condiment principal, c'est ça. La sauce soja que je dilue. Ça donne un bon goût.